Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur les gamers du Pixel Perdu qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Nous voici ce soir pour cette soirée halloweenesque, plus une soirée, sur Lone Survivor où nous allons survivre, peut-être, ou pas. Ce soir, nous allons jouer donc à un jeu de survie. De survie où l'on est fou. Ou peut-être pas d'ailleurs. Bien. Voilà, voilà. Allons-y. New game, s'il te plaît. Et donc, ça commence encore. Le jeu nous conseille de jouer dans le noir, un casque sur les oreilles. Est-ce qu'on en a besoin? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis nouveau ici et je suis effrayé. Ouh. Je connais ma voix. Normal mode selected. Mon nom est pas tellement important, je suppose. Quant à savoir depuis combien de temps je suis là, je n'en ai pas non plus la moindre idée maintenant. Ça fait un petit moment que la phase Woodbreak, je ne sais plus, de ce que j'en sais, a commencé. Avec le son de ces choses dehors, des monstres. Je suppose que vous les appelleriez ainsi. Aussi loin que je le sache, je suis le seul survivant. Le survivant solitaire. Oui, Sangan, I'm Batman. Je ne peux pas partir très longtemps. Et je suis presque à bout de mes rations, de mes fournitures. Et s'il y a quelqu'un qui vit à l'extérieur, j'ai besoin de les trouver. Si rien d'autre, je ne veux pas mourir seul. Sangan, je n'ai pas de masque sur le visage et je ne saurais pas où en trouver. On peut donc bouger avec les flèches. Waouh. C'est la révolution du jeu vidéo. C'est juste un fauteuil. C'est un double expresso. Vous voulez le boire ou on laisse tomber? Je veux le boire. Je bois le café. Très bon. J'aurais peut-être pas dû. Je pense que j'entends quelque chose en bas. Dieu,
C'est une de ces choses. Je pense pas qu'elle puisse me voir. Attends. Il semble qu'il y ait une cachette juste devant moi. Je vais voir si je peux me cacher dedans. Super réactif au son, ces bestioles. En même temps, je suis un peu sauté sur le dos. Hop, cachette, t'as vu? Et hop, t'as rien vu, je t'ai feinté, copain. Je pense que je peux aller par là. Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vous tenez? J'ai vu une lampe torche. Essayons de l'allumer. Ma tête. J'ai un sacré mal de crâne. Foutue terreur nocturne. Pas mieux que le jour, de toute façon. Ouais, bonjour, ma lampe torche, vieille amie. Il est temps de faire face au monde extérieur. J'ai eu quelques pilules vertes. Je me ressens comme si j'avais eu une vie passée. Et si je dors, j'oublierai tout. Donc j'ai fait le choix de dormir un peu plus. Ok, dormir fait office de sauvegarde de ma vie. Ah, un message à la radio. Nous, les survivants, prions pour une 2000 dans la chambre 203. C'est là où je dois aller. Je me demande si je devrais aller à la chambre 203 d'abord. Peut-être y a-t-il quelqu'un de vivant de là-bas. Lisons le journal. Rien d'excitant qui s'est passé aujourd'hui. J'ai essayé de manger un insecte que j'ai attrapé. Mais ça ne sert à rien. Depuis qu'il n'y a que moi maintenant, je dois aller dehors. J'ai besoin de trouver une arme, quelque chose à l'emporter. Ces fils de pute sont trop dangereux en combat rapproché. Et je veux pas avoir leur superbe maladie sur moi. Et puis, peut-être, trouverai-je quelque chose à manger. Oh, je me rappelle où j'ai rangé leurs clés. C'est dans le sofa, dans le living room. Mais je ne sais pas où est
la clé pour leur chambre. C'était la dernière entrée. Il y a quelque chose écrit sur la porte. Ce sont les contrôles qui sont écrits sur la porte. Je vais peut-être les relire. La fenêtre est bloquée. J'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir. J'ai une batterie. Oh. Il s'est défraîchi. C'est là depuis très longtemps, je suppose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pas les miens. Je ne vois rien de spécial. Attendez. C'est comme si ça cherchait à me dessiner d'une autre pièce. Cette porte est fermée. Et j'ai attrapé la clé de la 66. Donc c'était là où je l'ai laissée. Quelle est cette odeur? Même avec mon masque, ça me fait sentir bizarre. De la viande pourrie. J'en prends 6. C'est tout ce que je peux porter. Il me faut du gaz. Mais j'en ai plus. Et je vais arrêter cette voix parce que je suis en train de me la détruire à la gorge, à la faire. C'est bloqué. J'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir. Mais par où est-ce que je sors, moi? Ah mais non, je suis à la 206. La 206, ça doit être celle-là. Allez, on prend notre examen aussi. J'ai la carte de la cour de l'aile de F, ok. Donc je peux regarder la carte. Ok, la 203 est là-bas. Je suis ici. J'ai ouvert différentes portes. Et apparemment, j'ai 10 chemins différents de chemins. Donc la 206, c'est là où je suis. 205, 204, 201, 202, 203. Ne va pas dehors sans une carte, même si tu connais ton chemin. Les choses peuvent changer, tu sais.
Enfin, je sais qu'il y a un chemin pour passer ces choses. J'ai remarqué qu'elles étaient attirées par l'odeur de la pourriture. Ok, il faut juste de la rotten meat. C'est à ça que ça sert. It's too dark. Check the plant. Alors il faut savoir que ça c'est une référence au jeu LucasArts. Parce que dans tous les jeux LucasArts à une époque, tous les point and click surtout, il y avait Chuck la plante. Mais on va éteindre les lumières parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. On va donner à Chuck la plante d'ailleurs. La viande pourrie pour nous permettre de passer. Bonsoir Kara, salut Sengan. Ok, appartement 205. Merde, comment je le passe lui? Mais laisse-moi passer. Non, bon, tant pis. Putain, les couleurs t'éclatent tellement la gueule. Non. Comment on se défend? Donc comme je disais, ici c'est Chuck la plante qui apparaît dans les différents jeux LucasArts.
Bon, allons dans le trou. Si ça me fait sortir, hein, tant mieux. Ok. J'aurais pas eu le temps de regarder. Il commence à gentiment me faire chier, ce... Non, alors c'était quoi ce cœur? Allons-y. Allez, on va tout refaire parce qu'on est con. Blablabla. Je m'en fous, putain, ça fait trois fois qu'on lit cette map, jeu de... On retourne dans ce truc là. Ok. Ok, ce sont des téléporteurs. Les miroirs sont des téléporteurs qui nous ramènent chez nous éventuellement. On va pouvoir sauvegarder. Allez voir où on est.
Ok, je suis arrivé ici. Ok. L'appartement 203. Oh. Bizarre ces mecs. De quoi tu...
Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oui, je sais qu'il a faim car il est... je vais juste manger avant de sauvegarder. Pourquoi il ne veut pas dormir dans ce lit qui est plus grand?
Putain. Ok. Tout est fermé. Faut peut-être que j'aille directement à la 205. Oh putain, mais arrête d'avoir tout le temps la dalle, connerie de mec, quoi. Non, tu déconnes, je... Ah ben, super.
On va sauvegarder. Alors. Ok. Donc apparemment, Kara m'explique que les pilules ont différentes couleurs et surtout donnent des visions. Les visions vertes et bleues, selon la couleur du cachet, et la rouge te booste. Ok. Alors, le problème, c'est où est-ce que je dois aller? J'ai que du bloqué de partout. Peut-être par la 205, aller vers la 205. Enfin, vers la 205. Au boulot. Département 205. Allons voir où je suis. Ok, donc c'est par là. Putain, il veut plus y aller, mais crétin de con de toi. Comment tu veux que je me tire d'ici?
Bon, c'est cool, les deux autres voies sont complètement bouchées, mais ils me demandent quand même d'y aller. Bon, voyons voir où on est. Ok. Donc de la 203 à la 202, il y avait des trous. Bon, je commence à avancer un peu. On va espérer que ça aille.
Où est-ce que je suis arrivé? Une petite cour. C'est la fille qui m'avait donné la lampe. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien se passer. Hein? Bon, on va aller voir le fameux directeur. Faut que je retourne dans ce truc. Merde. Le directeur.
Ok, bon, c'est déjà ça. On va pouvoir ouvrir le gaz. Il faut que je le bute parce qu'il m'emmerde à chaque fois. Voilà. Au moins, lui, c'est fait. Je pourrai rentrer dans ma piole. Voilà, ça devrait aller mieux pour lui. Bon, mon flingue est rechargé. Faire de bruit, parfait, stir. Ok.
comme il dit, ça va aller beaucoup plus facilement. Ouais, on peut dormir. Au passage, on va prendre un petit peu à bouffer, mon flingue est rechargé. Je vous remercie de votre confiance à penser que je vais crever systématiquement. Alors, et hop, mais si ça se trouve, je vais crever au même endroit que toi. Hein. Pas de carte sur cet endroit. Ok, là j'ai été voir. Ok. On va tenter par là. On va sauvegarder souvent. Apparemment, c'est pas munitions à finir. C'est une réserve de balles. C'est pour ça que je bute ceux qui soit vont me faciliter la vie. Oh putain! Con de toi!
Merde, j'en ai aggro un deuxième. Ok. Mon Dieu, c'est quoi cette bestiole? Ouais, bah, je sais pas si c'est une bonne chose, Kara. Putain, comment je fais pour l'éloigner, ce con là? Tu vas pas me dire qu'il faut que je le bute? Oh, je comprends. Ok. Tel cuisse, mec. Hop là. Parfait. Allez, fonce, 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 va bouffer, va bouffer. C'est bien gros pépère. Me cacher ailleurs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Bonne nuit. Excusez-moi. Alors.
Putain, mais... Ok, on peut se cacher ici. Toujours bon à savoir. Bon, c'était sans doute pas la bonne solution, parce que là je viens de claquer un montant de munitions absolument immonde. Où est-ce que je suis? Ok. Michael Jackson. J'ai une question, il y a plusieurs fins dans ce jeu ou...
Oh fuck. Je suppose que c'est le genre de jeu où... Et c'est quoi la meilleure fin, je dirais? J'imagine que c'est bon, on crève pas. Et, mais sans déconner, ce mec, il a un... ou à la place de l'estomac ou quoi? Parce que franchement tu lui files tout ce que tu veux à bouffer mais il a faim toutes les 2 minutes hein. Appartement 204, allez c'est parti. Il a du matos pour moi, on fonce.
Je suis obligé d'attendre. Voilà. Pourquoi ce con me suit? Mais casse-toi! Cassos! Ah, les pâtes, la nourriture de l'étudiant. Bon, ça me dit pas où je dois aller, tout ça. Oh putain, il a encore la dalle, bordel, mais il bouffe tous les combien, quoi. Casse-couille, quoi. Sérieusement. Même moi, je bouffe pas autant que lui, quoi. Oh merde. Ok. Ok.
Ok. Est-ce que je vais comprendre? Putain. Mais putain, il a encore faim, sérieux, mais... Sérieusement, il y a tout le temps la dalle. Est-ce que c'est possible de bouffer autant, quoi? Putain, mais sérieusement, où je dois passer à force? Allez, fais demi-tour, connard.
où je suis. Et vas-y que t'as besoin d'une kélé, et vas-y qu'il faut faire 36 000 demi-tours, et vas-y que la moitié des portes ne s'ouvrent pas. On va se demander pourquoi ils ont foutu des portes comme ça. Salut Ayao et Oruasai. Ah bien sûr, il fallait que la porte soit bloquée de l'autre côté, sinon c'est pas lol. Bon, jeu de con, ça serait bien que tu m'indiques des endroits et des solutions possibles. Hein? Plutôt de me bloquer comme une merde dans tous les sens. Bon, je suis mort, au moins ça tombe bien. Voilà, ça c'est fait. Ah putain. Avant de prendre la pilule bleue, on va prendre la pilule bleue. Hein. Et puis, histoire de montrer une fin aux gens, on va se gaver de pilules bleues. Allez, allons voir le monsieur. Allez, on va prendre le trip des vertes.
Mais il a encore faim, ce con. Mais arrête de bouffer. Non, allons voir. Oh putain, il a besoin de se reposer, ce con. Allez, voyons voir. Ok, donc là, il y a le boss. Je suis passé à peu près partout. Donc maintenant, c'est ce truc-là qui me pète les rouleaux. Allez. On y va. Là, je dois être dans le bon tuyau. Ok. Je suis là où il faut. Il y a une pièce au fond. On va essayer d'y aller. On se prépare. On reload. On reload et on crève. Bon, on va changer de jeu. Parce que là, je vais finir par mordre. Ça commence à me saouler de devoir faire 36 000 tours pour arriver à trouver une putain de clé à la con. Allez, et ben, je vais couper le stream. Je vous dis à tout de suite le temps de changer de jeu. Ce jeu a eu ma patience. Voilà, tchou tchou, à tout de suite.